Re la POD. On se retrouve sur Master of Magic Beta 2. On vient de faire des tests qui se sont tous avérés être plus mauvais les uns que les autres. Donc, c'est un peu triste, mais c'est ainsi. Donc on va essayer de faire un peu autre chose. Vu que ce combat était pas trop faisable quand même. Malgré notre armée qui était quand même bien meilleure. Meilleure ne veut pas dire super forte encore. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chasser? Les géants de feu, pas trop. C'est quoi ces esprits gardiens? Pas trop non plus. Ça, je suis moins confiant. Ça, je suis assez confiant. Normalement, ça devrait passer. Allez, ouhou, en avant. Et puis, bon, bah, c'est un d'autres esprits magiques. Jusqu'à ce que j'ai au moins un défenseur par ville, là j'en ai un, donc il manquera un là et un là. C'est une pour d'or, mais que je ne suis plus de mana, voilà. D'accord, donc on peut transformer, ouais, ça j'ai vu. De magie, ouais, j'ai vu. Hop. Un autre esprit magique. 6 tours. Ah, je suis à court de magie. Je vois, c'est pour ça qu'il m'a mis là. Je peux me faire. Je peux dépenser. Tac. Ah, j'ai 27 de pouvoir maintenant. Bon. Toi tu vas aller là. Parfait, et il manque encore un là. Allez, on va dire que ça va bien se passer là, hein? Enregistré. Normalement, ça devrait le faire. C'est bon. XP plus 2. Ok. Ça aura pris chien d'enfer. D'accord. Je l'avais pas déjà? Ah non. Pas déjà. Alors, qu'est-ce que je peux aller taper d'autre? Il y avait juste des unités de base, je pense. Ça, c'est quoi? Bête fantôme, ça, c'est pas une unité de base. Des squelettes. Démon de l'ombre. Ça peut peut-être être fait. Ah merde, j'ai pas exploré celui-là. Je pense l'avoir fait. Toi, tu vas là. Toi, t'as quoi? Oui, ça me dit que c'était faisable éventuellement. Un élémentaire de feu, allez! Faisable aussi, même si l'attaque de feu de mes gars sera pas super efficace, mais limité au poison, pétrification et au feu. Arme naturelle enchantée, ok. Rapidement.
Alibardier, marche. Ouais, je vais me faire encore plus d'unités de façon. Hein. Base de toute armée naissante. Ouais, c'est pas ouf. C'est quoi? 1, 3, 6, 8. 3, 3, 6. Donc là, ils sont un peu moins nombreux, mais ils ont une meilleure épée. Ouais, ça, c'est effectivement plus du mid-shield, quoi. On va faire 2, 3. Petit coup de sang. Chauve-souris, ça va pas être trop costaud. Oh si, 20 PV. Oh si, 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 c'est fort fort. 40, c'est... Et les pourcentages de toucher, c'est un peu... C'est space, quand même. Oui, c'est bon, j'ai fait ça. C'est quoi? C'est 9 unités maximum. 9 unités maximum. J'ai quoi? Ça, à mon avis, il n'en faut qu'un dans chaque. Ça, je pourrais en faire un autre. Je vais faire un autre lancier. Un autre archer. Ça me fera, là j'en ai actuellement déjà 4, 5, 6, 7, 8. Et encore un autre arc. Non. Et un autre épéiste. Hop. Donc, là, là, hop, on veut même pas s'en aller. Tac, on a rien perdu. Capacité de l'unité améliorée, enfin, mana gagné plus. Ouais. Ah, je peux aller, là je peux aller plus loin. Continuer exploring. Ouf. Roger. Non. Du coup, je sais pas si j'ai eu la mana. Si. Ah merde. J'ai plein d'unités en entretien. Ah. Ok. Bon, donc ça on fait pas. Gargouille. 16 PV. Putain, 8 d'armure. Waouh. Qu'est-ce que je peux me faire qui est au milieu? Bon, certainement pas ça. Oh putain. Ça, on m'avait dit certainement pas non plus. Le géant, c'est faisable ou c'est pas faisable quoi? Bon, en plus, ça tire. Ça a deux projectiles, mais deux projectiles qui doivent te défoncer la tronche. Ouais. Yeah.
Invisibilité, un tour, un allié choisi. Oh la vache. Bon. Qu'est-ce que je veux faire ensuite? Qu'est-ce que je peux être? Ça, je vais peut-être attaquer quand même. C'est vraiment des pions de base. Allez. On va se dire qu'on va le faire. Mon agro. Tiens, je voudrais que tu aies me voir. Viens là, toi. Ah merde! J'ai planté. Oui, il y avait celui qui était ici en défense. Ok. Ouhou, en haut les bâtisseurs. Trop la teuf. Un grenier. Allez. Et après un sanctuaire pour le nord-est. Ah, il faut vraiment utiliser l'or quoi. Mer, bovine ne produisent pas assez de nourriture pour toutes les unités. Ah. Eh oui, il va falloir que je fasse plus. Plus de boue. Eh ben, tu vas en faire plus que ce que je te dis. Eh oui, il faut que je fasse gaffe avec ça. Bien. Il va falloir quand même que j'accélère certaines constructions. Du coup, vous savez quoi, la renommée, réputation. Les héros sont plus susceptibles de rejoindre, d'accord, les sorciers célèbres. Le coût d'entretien des troupes de 1 d'or pour chaque point de renommée. Ah ouais. Oui, je sais ça, tu me l'as déjà dit. Alors, grenier, alors du coup ça je vais peut-être l'accélérer ça. Les 160, ça va peut-être être bien quand même. Plus de bouffe. Arme sainte recherchée. Formidable. Rappeler au prochain fallait déjà que j'en ai. Arme surnaturelle. Les bons pour arme surnaturelle. Alors toi ici, tu fais de dos. Toi aussi. Toi. Ton copain là, il est là dans combien de temps? Deux tours. On attaque au tour suivant. Du coup là je peux remettre un bâtisseur, du coup pour monter. Aussi ce que c'est comme type de troupe. Normalement, risque pas grand chose, mais. Ah.
Ah oui, c'est toujours pareil, comme les troupes sont volantes. Oh, je peux le défoncer à distance. Il a des grands boucliers. Non, c'est des illusions, l'attaque illusoire quand même. Il y aurait l'armure du défenseur. Mmh. D'accord. Ça n'a pas été très efficace ce que je viens de faire. Putain. Mais pourquoi sont-ils aussi mauvais? Soit c'est juste que j'ai totalement pas de bol, soit c'est que c'est n'importe quoi. Ah merde. Je vais me filer un point de dégâts. Trop la fête. Et les archers aussi peuvent faire des dégâts. Tout n'est pas perdu. Ah ben voilà. C'est magique. Oh putain. Sinon quoi. Le trône est même en dehors. Ouais. Ah putain la vache. Ah ouais. Ah, ah ouais. Paix à son âme, mais... En termes de gains, c'est pas nul quand même. Bien bien. Et blanc dans le point de mana. Trois gargouilles, une chauve-souris, un chien. Alors... Bon, ça on a vu, ça pouvait être faisable. Mais... Alors il y a celui-là, je ne sais pas trop comment je vais arriver à le gérer. Bon, on va essayer. De toute façon, on est là pour essayer. Il y a le géant aussi. Je pourrais essayer, tiens. C'est le géant. Alors sinon, il ne faut pas trop s'attacher à ses troupes. C'est peut-être ça aussi. Ici, très bien, fais-moi un grenier et un sanctuaire derrière.
Bon, et puis bah, on va voir un peu ce que ça va donner contre Monsieur le Géant. Hein. Les prévisions, c'est ça, quoi. Bon, bah, engagé. Hein. Et ça, c'est quoi dans le genre? Téléportation, résister. Ouais, on va se tester ça alors. Alors, ce que donnent les licornes. Ah. Ça a l'air nettement plus simple. Il approche pas. Ça fait quoi? Ça résiste à tout. Fusionneur 2. Corporel. Ouais. Ah, vraiment une affaire. J'ai fait trop mal. Ouch. Terrible tout ça, hein. Moi je dis. Ouais, peut-être que si je fais un élémentaire. Qui prendra les dégâts à ma place. Ah oui, d'accord, je peux mettre que sur ma zone. On va tester, hein. Qu'est-ce qu'il reste là? Ah, il reste tout. Mais toi, tu vas mourir. Ouais. Putain, merci. Ouais. Du coup, il commence à s'attaquer à nous. Ils ont quand même des stats qui sont pas trop pourris. Mais ils ont pas beaucoup de points. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais c'est pas possible. Putain. Mais c'est tellement...
C'est tellement pénible. Bon. Même les unités d'élite. Que le la résolution auto donnait quasiment un truc sans aucune perte ou presque. Je sais pas ce que j'ai raté, mais j'ai raté un truc hein. Ouais, vos unités peuvent être tuées ou blessées lorsqu'elles se retirent comme d'une bataille contre un ennemi plus fort, ouais, ou avant. Ok, donc là on avait dit qu'on n'allait pas ici, mais qu'on allait là. Hop. Bon. La différence de perte est quand même assez hallucinante. Un bâton de défense, j'ai pris cause juste. La juste cause de la vie promulguée par le lanceur de sorts unifié à tous, la renommée du magicien est augmentée de plus 10. Toutes les villes perdent 10%. Wow. Nice. Nice. Donc ce serait en vigueur. Cause juste. C'est carrément fort. Ça nécessite 150. Ça coûte 3 par tour. C'est pas à l'aise. Bon, on va le lancer. Ok. Donc ça c'est fait. Un tour. Donc ici, c'est chez les noms, un grenier et un sanctuaire. Je vais m'acheter les greniers dès que je peux. Ça me permettra de créer plus de troupes. Alors, qu'est-ce que je fais de vous? Est-ce que le lycanthrope, j'ai mes chances. Les ghouls, ça a l'air un peu costaud, mais c'est peut-être faisable. C'est toujours pareil dans la mesure où. Ouais. Allez, on va essayer ça. De toute façon, plus j'aurais récupéré un marché entre temps. Explorer par là, tiens. Qu'est-ce que je fais? Je fais un autre épéiste. 7 sur 9.
comme j'ai plus mon boule, je pourrais faire plus de. Voilà, il y a un nombre. Ah, d'accord. Il y a un minimum. Ok. Donc là, on va faire. Là, j'imagine que c'est le minimum aussi. Ok, là. Très bien. Bon, comme ça, je suis au max. Et je suis à plus de 0 de boue. Donc, c'est parfait. Toi, tu restes là. Un tour. Tac. Ouf. J'ai l'impression qu'il débrouille mieux que moi. Parce qu'il a perdu lancier et esprit magique. Bon, c'est pas très grave. Avec la renommée qui augmente. Je gagne des ventes la mèche. C'est cool. Je trouve des objets, mais. Ouais, monsieur. Je vais faire des lanciers, hein, comme ils se font défoncer. Parce que oui, qu'est-ce que je peux en faire, moi? J'imagine, je sais qu'il y a des héros, mais ouais, de toute façon, pour l'instant, je peux rien en faire. Cause juste pop là. Très bien. Donc du coup j'ai plein de renommée. Ouh. Mais je commence à perdre le mana. Ça c'était un peu con. Là je vais quoi? Plein de naga. Naga, c'est peut-être faisable. Ce que ça donne. Pareil, ça m'intéresse de voir ce que ça donne Naga. Quel genre de troupe c'est. Ça, on a vu que c'était un peu pété. C'est du tout ou rien, quoi. Ça tire à distance, ça. Non, ça tire pas à distance. Poison. Première frappe, ça attaque au premier. D'accord. J'ai toujours... J'ai 26 points.
va s'approcher là et puis bah on va essayer de. Je sais pas ce que ça veut dire ce 10%, mais ça fait pas rêver. Représente les chances de réussite d'un seul jet à distance. Sachant que j'imagine que je fais 6 tirs. Toujours aussi efficace. C'est magnifique. Je vais les laisser s'approcher. Ouais, 20% c'est pas mieux que... C'est pas mieux que 10. Ah, je me suis déprimé. Ah bah oui. Ok, allez. Il y a un réseau l'auto, il y a rien de tel. Hein. Bon. On va juste faire une réseau l'auto, on va ne rien perdre. Ou perdre trop rien. Et on arrêterai ensuite de toute façon. Voir juste faire la petite transition vers le l'autre carte qui a priori celle sur laquelle le signe avait évolué. Ah d'accord. Les nœuds magiques donnent de puissants enchantements d'unités fantastiques du type de nœud. Donc si on m'attaque avec des unités du même type, ça va être plus facile. Facile. Sans freine de plus. Voyons le compagnon. Ah quand même. Créature déformée. C'est quand même. Putain. Wow. Vache. Là, du coup, si je fais voyage, permet la remettre forme sur un autre plan à condition qu'elle pose la capacité correspondante. Hop, c'est rigolo. Et là, on voit notre adversaire. Arjac. On tombe en plein dans son territoire. Le défoncer. Jacques est le nom que vous utilisez pour invoquer ma présence. Mais ne me dérangez pas sans réelle nécessité, ne vous approchez pas trop de mes terres, ne convoitez pas mon pouvoir, ou sinon je surveille chacun de vos mouvements. Alors. Commerce. Allez, je peux lui revendre des. Il n'est pas intéressé. C'est la sélection commerce, vous pouvez échanger divers biens avec des sorciers rivaux.
Hop, cette sélection main, le côté gauche, merci. Ça, c'est ce qu'on va échanger. Et le différent d'intérêt, double partie, d'accord. Petite flèche rouge ouverte, d'accord. Commerce. Ok. J'ai pas forcément prévu de commerce avec toi. Donc, traité. Commencer un traité. Tissu de traduction, mais de toute façon, j'avais prévu de te défoncer. Ça va. Même pas utiliser de magie, tiens. Hop. Des orques. Sympathique. Tac. C'est qui le patron? Avec un grenier, formidable. Tiens, là, il y a un nœud de pouvoir que j'ai pas vu. Ah, le voyage vers les plans, c'est instantané, quoi. Ça, c'est quoi? C'est son armée. Ouais, la chasse, de toute façon, je vais plus vite que lui. Après, ouais, il se déplace de 2, moi, je me déplace de 3. Mouhaha. Alors, là, tu me fais... un... tour pour un grenier quoi. Oups. Et pas de population là. Sur 7, 6 sur 6, 8 sur 6. Hop. Ah oui, mais là, en global, j'en produis pas assez. Il y a deux trucs. Il y a pour nourriture, produit de consommer. Oui, donc c'est ça. Il faut. Clairement, tu fais des greniers pour. Hop, là fait un peu plus de mal. Bien, bien, bien. Les toutes petites villes produisent plus facilement. Ah oui, non, mais du coup, comme j'ai terminé directement, je fais le sanctuaire derrière.
deux unités de squelettes. Oui, je me split. Tac. 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 Hop, comme ça il peut pas passer. Ah, c'est intéressant. Si je lance de la magie, les risques de perte sont plus importants, quoi. Ah, et là j'ai sa capitale. Ok. Ça va vite. Bon, du coup, je vais peut-être aller vite faire ça. M'empêcher de passer. Hop. Sur nature et rechercher, c'est sympa, tu te diriges dans la bonne direction. Ah. Pourquoi est-ce que là il est beaucoup plus fort? Équilibré. La réserve de menace, ça va. Bon, ça c'est fait. On va aller jusque sa capitale. Ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a comme troupe? Il y a trois squelettes et un archer. Ouf. Ah oui. Bon. Pas la même tout de suite. quatre squelettes, un archer. Bon, ouais, de toute façon, 23h, je vais m'arrêter là, moi. Écoutez, comme de toute façon, je ne m'adresse qu'à la VOD. J'espère que l'épisode vous aura plu, que le jeu, cette découverte vous aura plu. Là, on s'arrête sur un cliffhanger. Que va-t-il se passer? Ça va peut-être de gérer cette bataille à la main. Dans un prochain épisode, je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cet épisode. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Master of Magic, ou alors sur Rimworld, ou alors sur Total War Warhammer 3, en fonction de ce qui vous plaît le plus. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.